T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. We've gone for main engine start. We have main engine start. Allez, bonjour à toutes et à tous, ici c'est Landron pour le troisième épisode de mon Let's Play sur le jeu Stellaris Let's Play nouvelle version. Et donc, comme je vous disais, évidemment, il y a pas mal de changements qui se font entre les épisodes. Par ailleurs, le dernier épisode avait un léger problème de décalage son-image. Je suis désolé, j'ai pas réussi à le régler, j'ai pourtant refait trois fois l'épisode, mais j'y suis pas arrivé. Ça doit venir en fait de la différenciation entre la capture de la webcam et la capture d'Audacity pour le son, plus la capture de jeu, voilà, il doit y avoir quelques décalages. J'espère que ça va se corriger dans cet épisode. On va voir. En tout cas, la dernière fois, on avait fait pas mal d'extensions. On s'était bien étendu sur le système. Enfin, en tout cas, dans le système environnant, on avait réussi à bloquer l'Empire d'à côté. Ce qui était plutôt cool. Et on va continuer de s'expandre un petit peu, d'explorer cet univers vaste dans cet épisode. Allez, on est parti. Voilà, nous y sommes. Donc, la dernière fois... Attendez, je me retourne. Replace un petit peu, ça fait une semaine que j'ai pas enregistré. Donc, on avait bloqué le Fevarian Rigimé, l'Imperial machin Dominions qui nous aime pas trop. Il a bloqué les frontières, mais au pire, on s'en fiche un petit peu parce qu'ils sont un peu loin. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse? Les recherches, ça fonctionne bien. Il y avait toujours les salopards de pirates qui se baladent dans le coin, mais bon. Normalement, ça devrait aller. Alors, ce système n'est pas revendiqué par nous. Attendez. Oh là. Désolé, ça devait sortir. Donc, on va accélérer un petit peu la vitesse, je pense, parce que pour l'instant, je vois pas grand-chose à faire. J'ai un peu peur qu'en fait, les pirates, tant qu'on les ait pas démontés, ils se baladent un peu souvent pour nous péter les noix. Je les attends au tournant, je pense qu'ils vont se trimballer quelque part dans pas longtemps, ils vont essayer de nous défoncer. Je les attends. Est-ce que au niveau des journaux de bord, on a un vestige de bataille à voir? Alors, système survey complete. Je vais envoyer du coup le vaisseau chercher le projet de recherche dans ce système là. Construction fini. Donc pour les recherches, les ressources énergétiques, c'est bon. Construire la station de recherche, comme ça on aura plus 3 en recherche de technologie, ce qui est nickel parce qu'on en avait pas, on en avait que 5. D'ailleurs, c'est la seule technologie qui était toujours à la vitesse de base. Donc il faut accélérer tout ça un petit peu parce que là on va commencer à avoir besoin de ces technologies là. Mais enfin, c'est plutôt cool. Alors, que faire d'autre actuellement? On va continuer d'explorer ce bras de galaxie parce que de toute façon on est bloqué là, on peut plus passer de ce côté là. Ce qui est un peu embêtant d'ailleurs. Je regarde un petit peu où est-ce qu'on pourrait sauter d'un bras de galaxie à l'autre. Alors c'est possible qu'on puisse faire ça. Toc, toc, toc. Mais ça m'a l'air un peu compliqué, je pense qu'on peut pas aller d'ici. Construction complete. Ah, peut-être que si en fait. Il y a une flotte neutre du Fevarian Régimé. Ouais, d'accord, c'était bien ça. On va peut-être éviter de leur faire faire ça. Reviens là. Il est parti un peu loin. Donc, construction terminée. T'as déjà fini? Oh bah, c'était rapide. 180, c'est peut-être un peu long. Là, il y a tout. 180, c'est un peu long. Ouais, c'est ça. Il nous faut quand même pas mal de minéraux. Hein, parce que pour l'instant, on n'en a pas des masses. Mais là, si on pose tous les toutes les récupérations d'énergie, de minéraux, tout ça, normalement, on devrait quand même avoir quelques petits trucs. Alors, attendez, hop, c'est l'analyse des débris de la bataille livrée jadis sur le sud de Impan 3 a permis de mieux comprendre son contexte. Dans une tentative désespérée de mettre un coup d'arrêt à la progression des flottes de la Cybrex, 4 empires aliens contemporains ont uni leurs forces contre la conscience artificielle. Waouh. Ok, ça fait beaucoup, je pense. À en juger par le peu de débris laissés par la Cybrex, il semble qu'ils n'y sont pas parvenus. Dommage. Fail. C'est raté.
hop, on va faire gaffe. Donc le vaisseau de construction, on va toujours le laisser. Un autre système à aller rechercher. Voilà, on va reconnaître ce système. Le mieux, ce que je vais faire, c'est que je pense que je vais faire tout simplement une petite coupure. Je vais m'occuper de tous les systèmes qui sont vides. Enfin, en tout cas, où il faut que j'installe les... des récolteurs de différents trucs. Hein. Des stations minières, tout ça. Et je vous reprends une fois que tout ça est terminé, qu'on puisse se lancer dans d'autres choses. Donc, alors, j'ai joué un petit peu tout seul dans mon coin pendant pas mal de temps. C'était assez répétitif. Tout ce que j'ai fait, évidemment, c'était installer des stations minières. Donc là, on voit que je suis plus à... Ah, je suis encore à plus 5 et plus... Mais là, plus 23, c'est quand même mieux. C'est quand même mieux qu'avant. J'ai exploré des systèmes, j'ai fait des projets de recherche un petit peu spéciaux. J'ai fini quelques chaînes d'événements qui m'ont donné pas mal de points de techno. De même que j'ai lancé plusieurs technos, notamment le spatioport de niveau 3, qui permettra de créer des destroyers, qui sont les vaisseaux de niveau 2, on va dire, qui sont des bons gros vaisseaux bien mastoc. J'ai lancé vitesse de recherche plus 5%, j'ai lancé centralisation coloniale qui permet de faire un décret qui augmente la production minière pendant 10 ans, qui augmente l'influence même si actuellement on est stacké au maximum en influence, et qui permet de construire une capitale planétaire qui a le même effet que celle qui est normalement sur Skildaria, première du nom. Il y a... Oui, voilà, une administration planétaire, c'est quasiment la même chose que la capitale planétaire. D'ailleurs, sur cette petite planète, sachant qu'il y a... Normalement, j'ai plus rien à lancer, quoique quoi. Activation alien préspatiale, ok, on s'en fiche. C'est comme d'hab. Faudra faire vraiment gaffe à cet empire-là, les Nitran Expense, simplement parce que... Non, ça c'est le nuage. C'est le Imperial Utkaf Gun le Mignon. J'arrive pas à le dire, c'est horrible. Ça a des noms de merde, tout simplement parce que eux, en quelques années seulement, ils sont passés de 2 planètes à 4. C'est plutôt beaucoup. C'est plutôt beaucoup, et j'ai un peu peur qu'ils aient les velléités d'expansion un petit peu trop fortes. Ensuite, sur cette planète, on ne peut pas s'augmenter tout simplement parce que on a plus de boubouf. Donc on va lancer de la construction de boubouf. Il faudrait que je vire un petit peu ces merdouilles. On va déblayer des tuiles. Je vais accélérer un peu le temps, je vais mettre en vitesse rapide, non pas très rapide. Une fois que tout ça sera installé sur ce système, normalement on aura des trucs en plus, ça sera pas mal. Seulement là, je me pose la question, c'est qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? C'est vrai. Je pourrais créer un nouveau vaisseau scientifique, un nouveau vaisseau de construction, quoique le vaisseau de construction, on est plutôt bien. Il faudrait que je fasse peut-être un nouveau vaisseau scientifique, parce que ce vaisseau scientifique, il me permettrait d'explorer plus de systèmes en même temps. Je pourrais lancer plein de recherches sur plein de systèmes différents, ça serait nickel. Et ce qui me permettrait probablement de trouver, j'aimerais bien, une planète qu'on pourrait coloniser dans ce coin-là, à ces endroits-là. Ça pourrait être bien. Donc construction complète, d'accord. De son, l'énergie, ça va bien. Ouais, je pense que je vais lancer un vaisseau scientifique. J'ai même pas amélioré le spatioport au niveau 2. Ah, peu la merde. Ouais, là, on voit qu'ils sont en train d'avoir leur troisième planète, les Fevarian, réguillemets. Donc, ouais, il faut clairement que nous, on aille se chercher une autre planète dans le coin. Parce que là, ça pue un peu du slip. J'ai plus de projets spéciaux à activer. Ah si, il y a les amibes. On va le lancer, je pense. Ça va être rapide. Projet spécial, amibe spatiale, ça devrait aller vite. Alors. Donc là, on a un nouveau vaisseau scientifique. Il faut lui nommer un commandant. On va recruter un. De toute façon, on a plein d'influence. On peut y aller. Vitesse de recherche, maîtrise du filage, on s'en fiche. Vitesse de recherche, industrie. Ok, c'est que des merdes qui serviront pas pour des... Pour la recherche spatiale, mais bon, tant pis. Tant pis, on va recruter lui. Hop. Je te mets aux commandes du SCS Ténéroc, et donc tu vas partir reconnaître d'autres systèmes, s'il te plaît. Ah là là. Et c'est ballot, il y a vraiment plein de petites étoiles qui sont juste à côté de nos frontières. Enfin, limite dans nos frontières, mais en fait pas du tout. Genre celle-là. Celle-là, vraiment, elle est à la limite.
effet Varianry guillemets, là, qui est vraiment en train de nous scinder en deux, ce qui serait pas cool. Donc il faut... Et pourquoi je l'ai laissé en pause ? Banane. Il faut vraiment qu'on s'en débarrasse, ou en tout cas qu'on s'arrange pour qu'il ne puisse pas passer. You should not pass. Qu'est-ce qu'il y a ? Ah, élections. C'est vrai, il y a des nouvelles élections. Donc ça veut dire qu'il va falloir réaliser le prochain défi, sachant que le défi d'avant, je l'ai réalisé, ce qui m'a donné... masse influence, de toute façon, pire, on s'en fiche un petit peu, l'influence, on est un petit peu à max. Et j'en ai pas extrêmement besoin. Salax, je voulais regarder Salax un petit peu. On est actuellement à 4 populations sur les 5 nécessaires pour commencer à installer des trucs sympathiques sur cette planète. Donc ça va, mais il va falloir se bouger un petit peu les fesses. Ok. Alors... Ok, d'accord, ça c'était sur les amis spatiales, on s'en fiche un petit peu. Le dernier vaisseau de construction va installer tout ça. Voilà, ça y est, ils nous ont rescindé en deux. Allez, saloperie. Bon. Le gars Jekena était juste chancelier de la Confédération Skildarienne. Consultez le journal de bord. Qu'est-ce qu'il faut faire? Programme minier, installer des stations minières. Oh, bah tiens, je vais déjà en faire une directe. Ce qui est plutôt pratique. Cependant, comme je vous l'ai dit encore une fois, là, on est vraiment dans la panade. Il me faut vraiment une autre planète que je puisse coloniser. Parce qu'on est un peu à la ramasse à ce niveau-là. Bah, ils sont en train de nous défoncer, là. Ou alors, je pourrais tout simplement, ça va me prendre un petit peu, lancer le vaisseau de construction sur un avant-poste frontalier. Ça coûte de l'influence, mais au moins ça fait exactement la même zone que les planètes. Et on n'est pas obligé d'avoir une planète du coup. On pourrait le faire. On va le faire. Dans ma toute première partie, je me souviens que je m'étais un petit peu planté. Je pensais qu'on ne pouvait installer des trucs de minage seulement là où il y avait des avant-postes frontaliers. Du coup, j'en faisais partout et je me suis retrouvé avec... plus d'influence du tout, sachant que un avant-poste frontalier diminue la ressource la production d'influence. Du coup, j'avais plus rien et je pouvais plus rien faire. Je pouvais même plus m'installer sur une autre planète. Et j'avais l'air d'un petit con. Voilà. Ah, un pack défensif de Favarian Régimé. Allez, cool. Pourquoi pas. C'est la première fois que je fais copain-copain dans le jeu. À chaque fois, je voulais les défoncer. En mode gros fou. Alors, vaisseau scientifique numéro 2. Est-ce qu'on pourrait aller dans Delta Pavonis ou c'est toujours pas possible? Parce qu'il y a quand même plein de planètes là-dedans. Ce qui serait cool, c'est de pouvoir s'y installer. Ouais, il faut evading, d'accord. Ah, mais c'est des amibes. D'accord. C'est elle donc les amibes. Donc il y avait quoi, 700? Ouais, on est à 256, on n'y est pas encore. On n'y est clairement pas encore. Cependant, on est actuellement à une capacité de 17 vaisseaux possibles. Ah merde. Oh là, dans 2 secondes. On essaie d'éviter les Kappa aliens. Elles ont rencontré où? Où qu'elles sont? Merde. Evading hostile fleet. D'accord, elles sont là. Qu'est-ce que... Ah oui, d'accord, c'est eux. Des cristaux à la con, là. Ils ont tendance à faire d'ailleurs beaucoup bobo. Oh non, mais en plus de ça, je pourrais y aller sur celle-là, il semblerait. Un monde océanique. Oh merde, bon bah, va falloir y aller, hein, mais on n'a pas encore la force de frappe nécessaire. Ce qui est chiant. Ce qui est même très chiant. Evading hostile fleet. Ok, d'accord, tu te casses, c'est bon, on a compris. Alors, il y a des trucs hostiles dans le coin, ce qui est un petit peu embêtant. Il y a clairement des trucs hostiles dans le coin. Et c'est ballot parce que ça nous aurait été fortement utile. Ah bah finalement, elle est dans la Confédération maintenant. J'ai l'impression que ces histoires de frontières qui se font et qui se défont, c'est un peu le bordel. Ouais. Donc il va falloir qu'on fasse un petit peu une armée. On va le faire cette armée. Je vais voir où est-ce que j'en suis à ce niveau-là.
on va améliorer tout ça. On va déblédayer, ouais. On va déblédayer une ou deux tuiles, faire l'installation de 2-3 trucs. Installer une centrale, c'est bien. Oula, risque d'échec à 55%, non, on va attendre. On a beau trouver une anomalie, on va attendre un peu. Research complete. Donc la capitale planétaire, c'est bon. Xenozoos, qui permet une augmentation du bonheur, bon, ça peut attendre. Biolaboratoire, siphon énergétique, on l'a toujours celui-là, hein. C'est vraiment celui qu'ils veulent qu'on fasse. Ça pourrait être pas mal en fait. Ouais, on va le lancer, vous savez quoi. De toute façon, faudra toutes les faire à un moment ou à un autre. Ok, la montée de niveau. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Sur Salax, est-ce qu'on peut commencer à installer des trucs? Non, toujours pas, parce qu'on est évidemment qu'à 4 populations sur les 5 nécessaires. System survey complete. Alors, nous, on va aller voir ailleurs si on y est. Voilà, changer de truc. Skildaria, maintenant qu'on a normalement le spatioport de niveau 3. Ah non, pas tout de suite. Dans 16 mois. Il nous faut qu'on améliore ce spatioport. C'est vrai que j'ai toujours pas assez de... d'augmentation de minéraux, parce qu'il m'en faudrait largement plus. Et je sais pas d'ailleurs où sont passés ces pirates. Bon, bah ils ont disparu. Disparu. Voilà. Ça c'est fait. on va améliorer ce spatioport, je pense. On va en avoir clairement besoin. Parce qu'on va avoir besoin des... destroyers. Des destroyers de guerre, parce que ça fait vraiment bobo. Et aussi, je vous proposerai, je pense, dans le prochain épisode, de... commencer à améliorer les vaisseaux. On va avoir quand même pas mal de modules, de nouveaux modules supplémentaires. On va pouvoir faire des vaisseaux de niveau 2 ou 3. Ça va bien casser des fesses. Stockage de ressources au maximum, moi c'est influence. Donc ça va. Allez, s'il te plaît, donne-moi la possibilité de. Voilà. Ah, research complete. Capacité centrale d'énergie. Ah, centrale de niveau 3, ça peut être cool. Mais bon, on a quand même pas mal pour l'instant. Réseau de panneaux solaires. Ah, c'est pour le... c'est pour les spatioports. C'est les modules de spatioports. Labo physique. Voilà, centrale d'énergie, c'est bien. Alors, toi... on va continuer de regarder par là, de toute façon... il y a les deux systèmes avec des trucs à la con au milieu, m'emmerde un peu. Enquêter sur les capas aliens, on va lancer ça d'abord, hop. J'avais complètement oublié. Construction complete. Ah là, ça c'est bon. Je préfère ça, je préfère largement ça, ça c'est plus joli. Bon, certes c'est pas très beau parce qu'en fait c'est pas une planète, mais bon. C'est déjà mieux. Ce qui veut dire que je vais pouvoir refaire la même chose, c'est-à-dire que dans tous ces systèmes que vous voyez ici, il va falloir installer tous les trucs à faire. Donc le vaisseau de construction, bah, il va doser, tout simplement. Il va avoir besoin de faire pas mal de choses. Sachant que dans ce système, il y a des forces hostiles. Pas cool. Mais bon. Donc il y a pas mal de choses à faire. Je vais faire du coup une nouvelle coupure, installer tout ce bordel, et je vous retrouve évidemment s'il y a un petit problème qui se passe durant tout ça. Mais ça m'étonnerait. Allez, à tout de suite. Bon, alors, je vous reprends juste 2 secondes. J'ai trouvé des lambda aliens, en plus d'avoir trouvé encore un système avec des saloperies de cristaux qui se baladent. Des lambda aliens, donc ils ont l'air d'être plutôt sympathiques. Je sais pas où ils sont d'ailleurs. Ils doivent être là. En tout cas, j'ai vu des lambda aliens, ce qui m'a donné la possibilité d'enquêter sur eux. Du coup, on va le faire. On va voir s'ils sont gentils. Ah, il y a plein de trucs à faire. Attendez. Hop. Nouvelle recherche. D'accord. Recherche terminée, c'est cool. Du coup, je pourrais lancer le spatioport de niveau 3. Spatioport de niveau 2 qui vient d'être fini, d'ailleurs. Le canon électromagnétique, ça peut être cool pour améliorer les vaisseaux. On va le prendre. Voilà, voilà. Bon, bah, du coup, plus d'autres trucs à faire. Normalement, c'est bon. Je vous retrouve une fois que j'aurai tout installé. Donc, en fait, les aliens qu'on a trouvés, c'est la Jurine République.
qui sont une oligarchie plutocratique. Wouhou! Une oligarchie plutocratique. Pourquoi pas, je sais pas trop à quoi ça correspond, honnêtement. Forme dirigée par une élite fortunée, c'est la fortune personnelle d'un citoyen qui définit son rôle politique. D'accord. Ok, et ce sont des militaristes et des fanatiques spiritualistes. Le bon combo! Le bon combo! Ah là là. Bonjour. Bonjour, bonjour. On va être plutôt gentil, je sais pas trop où vous êtes. Ah d'accord, ils sont là. Ils sont indépendants. Alors, attendez. D'accord, eux, ils sont pas très gentils. Ils sont pas du genre sympathique. Sol ? Comment ça, il y a le système Sol, mais ça, c'est le système d'origine des humains, normalement. Ok. Ok, les entités cristallines. Juste regarder avant de... Ouais, ça ressemble au système solaire d'ailleurs. Ça ressemble au système solaire, donc ouais, ça doit être lui. Bah, c'est marrant, ça doit être la génération qui a fait ça. Bon, c'est pas très grave. Ok, bon bah moi je vais retourner à l'installation de mes dizaines de stations minières et je vous reprendrai évidemment à la fin. Alors, donc il y a les deux derniers systèmes qui sont en train d'être installés à coup de stations minières. Sachant que j'ai du coup fait un nouveau vaisseau de construction parce qu'en fait sinon bah, c'était un peu long. Voilà, du coup j'en ai refait un. Ça va aller un peu plus vite comme ça. Tout aura été fait du coup, ce qui est bien. On a une production qui est assez importante de minéraux, hein, plus 35. Plus 35 pour du plus 18 pour les crédits énergétiques, donc on est bien, sachant qu'on va monter à plus 6, on va monter à 41, ce qui est cool. Ok, on va être bien. Maintenant, ce que j'ai fait pendant tout ça, c'est que j'ai installé le spatioport de niveau 3. Ce qui est vraiment cool, parce que du coup, je vais pouvoir mettre un chantier d'assemblage de corvettes. Voilà, installer les corvettes plus vite. On va pouvoir lancer la construction d'énormément de vaisseaux de combat. Parce qu'on en a déjà 22 au maximum, sachant qu'on en a 8. Voilà, donc sur Salax... Hop. Voilà, sur ça, ce qui est bien, c'est que maintenant on a suffisamment de population. On va pouvoir augmenter le bâtiment. Cependant, ça coûte un peu cher, hein, 332. Voilà, donc c'est vous dire que ça coûte un poil cher. Donc, ce qu'il faudrait qu'on fasse à partir de maintenant, bon, c'est fignoler, hein, bien évidemment, les deux derniers systèmes qui sont en train d'être installés. Aussi, nous faire une petite armée des Fafa, une grosse armée des familles, de manière à pouvoir aller virer les gens qui sont sur Delta Pavonis, enfin les machins qui sont sur Delta Pavonis, exploser ceux de pas le gros machin là. Une fois qu'on aura fait ça, et ben tout simplement, on pourra coloniser ce système là, ce qui fera qu'on aura de l'influence un petit peu par là, ce qui est cool. On s'occupera ensuite des systèmes à l'intérieur, bien évidemment, machin. On va continuer et je pense que ce qu'il faudrait, c'est qu'on continue de se déplacer de ce côté-là. Parce que cet empire-là fait tampon, en plus il est plutôt... il va nous aider vu qu'il y a un pacte de non-agression avec lui. Un pacte de défense même, c'est même pas un pacte de non-agression, c'est un pacte de défense. Un pacte de défense, pas un pacte. Et donc si lui, qui a des velléités je pense assez belliqueuses, essaie de nous attaquer, et ben on va être plutôt protégé, tandis que de ce côté-là, on n'est pas trop protégé, et il n'est pas encore très gros, du coup, je pense qu'il faudrait qu'on lui roule dessus avant tout problème. Même si on est pacifiste. C'est vrai qu'on est pacifiste. Mais bon, il y a pacifiste et pacifiste, hein. Voilà. Le bon explorateur spatial, hein, qu'est-ce qu'il fait? Il va en empire, il l'explose, il le réduit en cendres. Enfin non, le mauvais... Putain, laissez tomber la blague, elle était foireuse. Donc, les canons électromagnétiques, c'est fait. Chantier d'assemblage de destroyers, capacité de stockage des minéraux, spatioport de niveau 4. Ça va être un peu long tout ça. Alors, les cristaux bidules, là...
C'est pour révéler une nouvelle ressource. Je sais pas trop comment ça fonctionne, j'ai jamais trop su. On va attendre un peu. Enfin oui et non, on va attendre un peu. On va lancer quand même la recherche, c'est celle qui est la plus rapide en fait. Ah, il a acquis le très méticuleux, bon, un de mes trucs de vaisseau là. Donc on va bientôt avoir fini les deux systèmes. Ce qui est plutôt cool. On va passer en vitesse rapide, comme ça ira un peu plus vite. Donc on va attendre un petit peu que Salax... et assez, voilà. Il manque plus que un mois. Hop, upgrade du bâtiment, comme ça on va pouvoir installer plein de trucs autour. Il faudrait aussi qu'on puisse remove les bloqueurs de tuiles. Mais ça, c'est à coup de technologie que ça se fait. Il faudra le faire. Donc j'ai rien dans le journal de bord. Tension frontalière, nanana. On est plutôt tranquille. D'accord, les Dukavon Dominion, ils sont supérieurs et ils sont pas très cool avec nous. Zut. En plus, ils sont moches. Ils sont quand même particulièrement moches. Bon. On va voir si ça va passer. De toute façon, il faut vraiment qu'on fasse de nouveau. Construction complete. Hop. Alors, il faut vraiment qu'on fasse de nouveaux vaisseaux. Il va falloir qu'on s'y attelle. D'ailleurs, on va pouvoir commencer à le faire. On peut faire des destroyers. On va faire au moins un premier destroyer. Vous allez voir, ça va être assez fun. D'ailleurs, les vaisseaux de construction ont terminé ? Ouais, les vaisseaux de construction ont terminé. Du coup, je pense qu'on va arrêter là pour cet épisode. Dans le prochain épisode, on va s'atteler à la construction d'une petite armée bien solide. Et comme je vous ai dit, on ira défoncer un petit peu les deux systèmes qui nous font chier système avec des gens dedans. Des gens, mais c'est même pas des gens, c'est juste des cristaux à moitié vivants, on sait pas trop. Du coup, comme ils m'énervent un petit peu, eh ben, on va les virer de là, tranquille. On les pousse. Et ensuite, on verra après ce qu'il faut qu'on fasse. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires des vidéos. N'oubliez pas que c'est un let's play test. C'est normal s'il y a des problèmes, surtout si le jeu n'est pas forcément hyper adapté au let's play. Moi, même si je l'aime beaucoup, je suis pas sûr qu'il soit très adapté. Dites-le moi en commentaire. Et voilà, voilà. Sur ce... Qu'est-ce que je voulais dire? Non? Oui, peut-être. Je sais plus. Voilà. On se retrouve en tout cas dans 4 jours pour la suite de ce let's play. Et voilà, sur ce, portez-vous bien et à dans 4 jours. Salut tout le monde !